Et salut à tous les amis, c'est Greto pour ceux qui étaient déjà là pour une petite session de rediffusion de stream. Oula, ouais, de stream de rediffusion. Je me répète pour God Eater Résurrection. Bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte donc il va y avoir un petit peu de bruit dehors parce qu'il y a pas mal de passages de voitures même le dimanche. Mais ce n'est pas grave. On va continuer la petite partie en solo de God Eater Résurrection. Alors, j'ai pas beaucoup de temps des jeux, vous voyez, j'ai que 3h57 de jeu, donc 4h. On va progresser. On va aller défoncer de la Ragami. Alors là, en plus, je commence à être dans la partie finalement où je trouve assez intéressante parce qu'on affronte des Aragami. Puis je suis en train d'essayer de trouver un petit peu les failles. Alors c'est compliqué parce que c'est dans des phases ou dans des missions où j'ai plusieurs types d'Aragami. Et c'est pas des petits Aragami de merde tout con. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu difficile hein, pour le moment. Mais bon, ça passe, ça va. Je voulais faire un peu le point déjà récupéré. Retirer de mon stock des grenades et la capacité. Alors, j'en ai pas utilisé beaucoup. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, bah non, j'ai tout mis. Ok, donc j'ai tout mis. Donc, j'ai pas besoin. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est d'organiser un petit peu tout ça. Je crois qu'on peut le faire que lorsqu'on arrive. Attendez. Placer les objets en réserve, non, je peux rien placer en réserve. Et salut Warny, je vois que tu viens d'arriver dans le chat, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas croisé. Alors comment tu vas depuis le temps, si tu es là bien sûr. Sauvegarder, hop. Alors prochaine mission. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de faire des missions annexes entre guillemets. Voilà, parce que là c'est la petite mission principal, et puis on a tout un tas de missions annexes à chaque fois qu'on monte de difficulté. Donc le petit carré en rouge, c'est ce que j'ai fait. Ouais, oui, l'ancien, effectivement. Toujours là, bah oui. Donc là, à partir, il y a un Shiyu et deux Kongu. On disperse une unité de défense, percer nos lignes de défense et l'attaque. On a vu, ça, c'est la plus facile que j'ai. Quoique là, il y a 5 Vestalides. Ouais, ça va être ça. On va prendre celle-là déjà. Sakuya, Soma, Kota et Ibari. Voilà. Comme d'habitude, ma petite équipe. Tiens, d'ailleurs, on peut même changer. J'ai pas fait attention à ça. On peut changer la musique. D'accord. Et l'opérateur. Ouais, donc celui qui parle. Ok. Parler par défaut. Sélectionner. On va partir un petit peu. Voilà. C'est quel type de jeu? Alors, God Eater, c'est un espèce de Monster Hunter-like dans le gameplay. Après, c'est des jeux qui sont assez différents. Déjà, de par l'histoire enfin, par le scénario qui, apparemment, qui prend plus d'importance dans les God Eater. Il y a vraiment une histoire avec des cinématiques et tout. Mais bon. Pour le moment, c'est surtout de la quête annexe. Donc, il n'y aura pas trop de... C'est des missions annexes. Donc, pas trop de cinématiques. Et oui, c'est en fait, c'est une espèce d'action RPG où on chasse des monstres, en fait. Tout simplement. On les capture pas comme dans Pokémon, mais voilà. Bon, lui m'a fait un peu mal. Ah, non plus, il a été battu. Donc j'ai des Vestalides, j'en ai 5 je crois. Voilà. Et ça, il y en a un petit peu. Une fois qu'on en aura tué 2-3, ça va être plus simple. Alors une fois qu'on les a tués, hop, comme ça, on peut les manger comme ça pour récupérer un petit peu de ressources. Il y a tout un côté crafting, enfin artisanat dans les armes qui est assez, hop, voilà, qui est assez conséquent. Du coup, voilà, on va pouvoir crafter, récupérer un maximum d'armes, enfin de ressources pour crafter des armes toujours plus puissantes. Donc là, c'est les 5 ennemis que j'ai à tuer dans cette mission-là. Alors le petit truc qu'on va trouver un petit peu pas dégueulasse mais un petit peu en retrait, c'est le côté l'émission on n'est pas dans un jeu ouvert en fait, on est dans un jeu qui est totalement fermé. Là-bas c'est vrai que c'est le remake d'un jeu qui était sorti sur PSP. Donc faut pas trop lui en demander. Mais voilà. Bien, merci d'être passé. Puis à bientôt. En tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir ces quelques minutes. Ça fait un moment ouais, donc c'est cool. Ouais. Donc voilà, mission terminée, revenir à la base, mission accomplie, c'est parfait.
Bon, c'était pas compl... elle était pas super compliquée, celle-ci. Endurance, contre-crédit. Hop. Donc elle s'est surtout accumulé des ressources et de l'argent pour pouvoir acheter des composants dont, les composants dont j'ai besoin au fur et à mesure de l'aventure. Tranquillement. Hop. Bon là ça va être un peu plus compliqué celle-ci. Bon j'ai pas utilisé de potion donc je peux y aller direct comme ça. Bon là ça va être un peu plus compliqué. Mais normalement rien d'insurmontable. Oh bordel! Là ça va être chaud. C'est surtout le Kongum qui m'intéresse déjà, parce que le Shio il est un peu plus fort. Celui-là je le connais un peu mieux. Par contre je vais avoir un petit peu de mal à le battre, parce que je fais pas forcément beaucoup de dégâts. J'étais sûr qu'il se passait un truc. J'ai chaud là, j'ai chaud. Ça va, si Soma est là avec moi, ça devrait... Hop. C'était chaud là. J'ai pas pu l'éviter. Ouais, j'ai chaud. Lui c'est là, donc on va essayer d'aller sur l'autre. Bordel. J'ai pas fait attention. Il est revenu l'autre. Il s'en va aussi. On va le suivre vu qu'il est tout seul. En plus, il est pas loin. Ah bordel, et moi je vais pile dans l'endroit où...
Mais non! Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui... C'est pas possible. Le Kongu est mort, ça c'est cool. Ah, c'est pas vrai. Il est compliqué, j'ai du mal à le gérer encore le Shiyu en fait. Voilà, j'ai trop de mal à le gérer. Ben voilà. C'était compliqué, hein, mais c'est bon, pas impossible. Mais c'était quand même bien, bien chaud, là. En fait, ça cuait depuis terre avec l'autre, quoi. Le Kongu il est plus simple à gérer déjà. C'est lui quand je parle. Bon, je me suis fait un peu déboîter.
J'espère que tu vas bien. On devra se le faire sans trop de soucis. Allez, 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 allez. Et alors je sais plus par où on rentre, je crois que c'est par là-bas. Je crois que c'est par en dessous là. Ouais, c'est là. Là j'ai un... ouais, j'avais un doute, mais non, c'est là. Là ça me dit qu'il me reste plus qu'une phase. De toute façon il est mort là. Ça m'a un peu fait mal. Mais finalement, on l'a eu. On va ramasser un petit peu. Super. Bah moi, ça va très très bien. Profite un petit peu d'avoir un petit peu de temps pour avancer. Bah, God Eater, que j'ai récupéré et que j'ai pas eu le temps la semaine dernière et que j'ai toujours pas eu le temps. Que j'ai à peine eu le temps de commencer, en fait, pour venir à la base. Voilà. Donc, je profite d'avoir un peu le temps pour le faire. Alors, c'est ce système-là que j'ai toujours pas bien compris, mais bon. Faudra que je me renseigne. Système de liens, de récompenses, enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai pas encore me suivi. Pareil, ce tableau-là, je l'ai pas tout. J'ai pas tout compris encore, mais bon. Enfin voilà. Et toi, tu connais un petit peu la série ou pas du tout, Crunch Shepard? Ou si, comme moi, t'as commencé la série avec la série animée? Mission activée, alors je dois avoir une mission urgente là. À faire. C'est ça. Un petit groupe d'argamis est apparu dans la vieille ville. Ils ne sont pas gros, mais ils causent de gros dégâts et ont déjà fait plusieurs victimes. Devant reprendre le contrôle de la situation avant que d'autres personnes ne soient blessées. Dépêchez-vous de les éliminer. Bah non, je les ai déjà faites, donc c'est pas ça. Alors là, il me reste deux missions, un Vajra et deux Shiyu, ça va être compliqué. Et un Gboroboro, un Shiyu et deux Kongo. Ça va être compliqué aussi. Et je vais changer d'arme par contre. Je vais pas prendre l'arme courte. Parce que honnêtement, je fais pas assez de dégâts avec. Je me tâte. Je pense que je vais prendre le diviseur glaçant, ouais, effectivement. Je ferai un peu plus de dégâts avec, ouais. Et retirer un pull régénératrice, ouais. Je vais prendre le max. Ok. On est prêt. Bon, ça risque d'être un peu moins laborieux que tout à l'heure. Par contre, j'ai une arme qui fait plus de dégâts, mais qui est aussi un peu plus lente. Du coup, ça s'équilibre un peu. Voilà, donc là, il y a un Boroboro, là. Et un Shiyu. Ça va être compliqué. Ok, donc lui me charge déjà. Attends. Mais... ah ok, ils sont tous arrivés en même temps. Bordel. Et il y a le Vajra aussi, quoi. Faut se barrer. Faut se barrer, ça va être compliqué sinon. Ça va être impossible. Je vais aller au-dessus, sinon ça va être impossible. Allez, viens le chouchou. Hop. Où est-ce qu'il va?
Mais non! Ça va être dur. Ah oui, là, ça va être chaud, là. En fait, c'est surtout celui avec ses ailes là qui est chiant. Parce qu'il est très très résistant et il fait très très mal. Et j'ai encore du mal à l'appréhender. Par contre, les deux autres, en solo, ça va. Mais c'est compliqué là. C'est compliqué là. Alors là, l'attaque de zone de l'ennemi qui fait très très mal aussi. Sors de là, sors de là! Oh. Viens par là, viens par là. Mais non! Changer un peu d'arme. À chaque fois, je fais pas gaffe à son attaque. Alors lui, il est surtout vulnérable sur les côtés. Et bien sur moi. Mais non. Bon là, il s'en va ou pas? Ouais, il s'en va. Du coup, je vais en profiter pour avoir l'autre. Pendant qu'il soit énervé. Hop là. T'es toujours énervé, toi? Et puis il y a l'autre qui arrive quoi. C'est sur les côtés, voilà. Oh bordel, il y a l'autre qui arrive pile au moment quoi. Mais... Oh. Pas trop proche d'eux. Oh, l'autre il est revenu. Je veux voir parce qu'ils sont tous les trois au même endroit, ça pue. Lui, il est énervé, alors vaut mieux pas rester dans ses pattes. Mais non.
Vas-y, en deux coups, il m'a enlevé toute ma vie. J'ai trop de mal, j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer le chiou. Sûrement, nous, on arrivera déjà à en tuer un, ça sera pas mal. Parce que là, ils sont 4 en tout. Déjà à 2, c'est compliqué. Ah, bordel. Il a l'air d'être César, c'est lui qui a l'air d'être le plus affaibli. On va essayer de le tuer. Il est parti? Ah non. Il va faire sa petite roulade. Bon, la prochaine avec le Vajra, ça va être compliqué aussi. Hein. On voit pas leur barre de vie, non. Oui! On en a un, déjà. Bordel. Il y a le deuxième. Ah, c'est pas vrai! C'est pas vrai. Oh, oh, je suis en train de péter les plombs là. C'est pas vrai. C'est lui le plus compliqué en fait à gérer là. Ah oh bordel, en plus lui, oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais aller sur l'autre là. Mais ah oh. Laissez-moi tranquille. Mais non, mais... Avec ces trucs téléguidés, lui, c'est n'importe quoi.
Mais n'importe quoi là, je fais n'importe quoi. Ah, le bourreau était vaincu. Il ne reste plus que deux. Il est parti chercher de la bouffe, lui. Et ça, c'est signe qu'il est bientôt mort, ça. Je vais aller sur la dépouille de l'autre parce qu'on peut récupérer, on peut récupérer des matériaux sur, sur les dépouilles des adversaires. Sauf qu'il faut aller avant qu'elles disparaissent. Quoi. Et l'autre direct, il passe comme ça, bordel. Moi, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, voilà. Genre une seule note là. Allez, il commence à prendre cher. Voilà, il a été vaincu en plus. C'était bien compliqué là. J'ai un succès, je sais pas trop pourquoi. J'ai pas eu, je sais pas trop pourquoi j'ai un succès, mais bon, c'est pas grave. Écrasé, oui, bien sûr. Voilà, je l'ai chez. Hop. Même pour la réserve. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas grave. Au moins, là, je suis tranquille. Un Vajra, deux Shiyu. Oh oui, les deux monstres les plus difficiles que je sais pas gérer. Gardez un œil sur la cible, vous pouvez. Peut-être les séparer si vous préparez bien votre coup. C'est compliqué. Et la mission principale, c'est quoi? Malgré nos avertissements, des marchands de ressources ont poursuivi leur activité dans la vieille ville, où ils sont la proie d'un Shiyu, un escadron de riposte et appelé. Ça va. Si c'est qu'un seul Shiyu, ça va. Par contre, il faut que j'aille regarder ses points faibles, justement, au Shiyu. Base de données, Aragami. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de queues d'ogre là. C'est lui qui m'intéresse, le Shiyu. Faiblesse, brasier et gel.
Dans ce cas-là, mon arme va être pas mal efficace contre lui. Et lui, il attaque au feu, lui. Élève Vajra, faiblesse, brasier, gel divin. Ça, c'est cool, ça. Du coup, l'arme que j'ai... celle-ci, vu qu'elle attaque... Oula! J'ai du mal. Vu qu'elle attaque en gel, ça va être pas mal. Hein. Et du coup, est-ce que je peux pas me crafter plutôt? Parce que j'aime pas trop cette arme-là, en fait. Je la trouve un peu trop lente. Pour moi, encore. Un petit peu de mal à gérer, à leur fabriquer. Une longue... Voilà, c'est la lame glaciale, en fait, qu'il me faudrait. Des pics de chevalet, je sais pas où j'ai ça. Je vais regarder dans les missions. Je vais regarder dans les missions que j'ai, justement, s'il n'y en a pas. Dans celles que j'ai faites, hein. S'il n'y en a pas qui donnent des pics. Des pics de chevalier. J'ai pas l'impression. Parce qu'on fait, en fait, au fur et à mesure des missions, on récupère des ressources. Et il y a certaines qui ont une... Enfin, il y en a qu'on va récupérer obligatoirement, mais certaines ont une possibilité, enfin, une probabilité. C'est ce que je suis en train de passer là. Par exemple, là, l'araxinia, il a 6% de chance de tomber, quoi. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc je regarde s'il n'y a pas une mission que je peux farmer, justement, pour récupérer la ressource dont j'ai besoin pour faire mon arme de glace. Mais je n'ai pas l'impression. Du coup, je pense que je vais prendre la lame de froid. Hop. On va prendre la lame glaciale. Prendre la lame glaciale, je vais la faire et puis je vais l'améliorer, tout simplement. La lame glaciale améliorée, parce qu'on va pouvoir aussi les améliorer, ça c'est cool aussi. Lame glaciale améliorée. Alors lame glaciale 2. Voilà, et qui donne et qui a des dégâts beaucoup plus intéressants pour le coup. Il y a certains trucs, et puis encore là, je suis qu'à 3 heures de jeu, donc j'ai pas tout compris. Il y a pas mal de choses en plus que j'ai pas compris encore. Comme le système, voilà, des compétences personnelles. Ça, c'est en fonction de ce qui se passe. Enfin, chaque perso qui t'accompagne, tu vas pouvoir leur donner certaines compétences, mais en fait, c'est des passifs. Par exemple, là, rayon de soin permet d'utiliser des lasers de soin. Bombesse, petite balle écrasante. Enfin, il y a pas mal de choses. PV, PV2, augmente les PV max, voilà. Il y a pas mal de choses, mais apparemment, il y a des conditions pour les activer, en fait, tous ces trucs-là. Et j'ai pas bien suivi, enfin j'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait. Ah, j'ai pas pris la mission encore. Du coup là je vais pas faire la mission hop, secondaire, retour celle-ci, parce que à mon avis je vais mettre 3 quarts d'heure à la faire. Parce que là ils vont être que 3, mais il y a le Vajra qui est super compliqué, et 2 Shiyu, les deux que j'avais du mal à faire. Donc on va partir sur l'âme rouée où j'ai qu'un Shiyu, je crois. Non, même pas, je sais pas ce que j'ai ici. Ça, par contre, c'est la quête qui va me faire avancer l'histoire, donc je risque d'avoir une cinématique avant et après. Non, pas de cinématique. Ça va, ça, ils sont faciles à gérer, ceux-là.
Tout le moment où je dis ça, je me fais éclater, quoi. Les zygotes, ils sont pas compliqués. Ils sont où? Donc ils montent quoi? On va passer par là pour essayer de le capter. Là, pareil, il y a des petites. Voilà, il y a du loot aussi à récupérer parfois au sol. C'est les petites. Voilà le chiou! Bon, ça va, on est dans une zone pas trop fermée. Oh, plus le moment où je l'esquive. Bon, là, il m'a fait mal. Ok, donc la première phase. Grosso modo, l'histoire, attends. Grosso modo, pour l'histoire, il y a hop, des scientifiques qui ont inventé, enfin, qui ont découvert une espèce de cellule bizarre. Et des scientifiques, en fait, qui ont fait des expériences, qui ont créé les Aragami, des espèces de monstres, en fait, et qui ont évolué. Ils ont tellement bien évolué, qu'au final, qu'ils se sont pris à l'humanité. Et grosso modo, ils ont quasiment décimé l'humanité. Ce qui se passe, c'est que t'as des dentistes. Du coup, les scientifiques se sont servis des mêmes cellules pour créer de nouvelles armes qui puissent lutter contre les Aragami, contre ces monstres-là. Et ces armes-là, ce sont les espèces d'épées que j'ai, avec l'espèce de bracelet que j'ai au poignet. Ça c'est à peu près l'histoire. Ça c'est. On va dire, c'est le contexte. Hop. Après, si ce jeu-là. Là, je suis dans la résurrection, c'est le premier épisode, suit l'histoire qu'il y a dans le manga, enfin dans l'animé. Il y a une histoire de complot avec un scientifique justement qui veut abandonner la Terre en fait. Pour aller sur la Lune en fait. Grosso modo, une espèce de complot interplanétaire un peu bizarre. Et donc le chiou, je crois que c'est sur ses mains en fait qu'il faut l'attaquer. Et là, mes dernières attaques sur les mains, j'ai l'impression que c'est ce qui a infligé pas mal de dégâts. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ses mains qu'il faut attaquer. Au moins, on a survécu. Au moins, on peut encore respirer. Vous êtes aussi wiped out que je suis? Je n'ai pas hâte de revenir à la base. Les explications sont un peu décousues. Parce que je suis en plein en train de jouer, je peux pas mettre le jeu en pause, donc c'est un peu compliqué. Et salut, Highwalker. Aussi, j'espère que tu vas bien. Ah, la petite cinématique. Je sais pas si vous entendez assez bien le doublage anglais qui est assez médiocre, on va dire ça comme ça. Ils ont pas mis les voix japonaises, donc c'est un petit peu décevant, mais bon. Ouais, grosso modo, là, ce qui se passe, c'est que t'as l'un des meilleurs combattants qui a été perdu sur le champ de bataille, entre guillemets.
Et on veut tenter, enfin, une partie des camarades qui veulent tenter une mission de sauvetage. Et le commandant n'est pas d'accord. L'histoire elle est assez complexe en fait. C'est pas qu'elle est complexe, mais c'est qu'il y a vraiment beaucoup de, on va dire, de sous-histoires entre guillemets. Enfin, il y a plusieurs personnages qui ont leur propre histoire, qui viennent se mêler justement à la partie principale. C'est ça qui est assez cool aussi. Demandant l'imitation d'un Goroboro et d'un Shiu dans la vieille ville, rendez-vous tout de suite sur place et neutralisez les cibles. Ces monstres sont puissants et ne doivent pas être sous-estimés. Renforcez votre armure avant de partir. J'utilise pas beaucoup l'armure, mais je devrais peut-être. Est-ce que je veux pouvoir l'améliorer d'ailleurs? Toujours pas, j'ai pas du tout les matériaux pour ça. Du coup, je serais mieux de m'en fabriquer. Hein. Alors, j'ai les recettes, mais j'ai pas les matériaux pour les faire. Donc, c'est un petit peu dommage. Ce sont des boucliers tours, ce sont des boucliers qui sont ultra lourds. Pareil, il y a plusieurs types de boucliers. Là, c'est des boucliers, on va dire, semi-lourds et les rondages qui sont vraiment très simples, quoi. On va partir là-dessus. Alors, sur le Saint-Germain, j'ai l'impression. On va voir ce que... Ok, donc ouais, il va être aussi efficace que celui que j'ai, en fait. Pareil, et celui-là, j'ai pas tous les matériaux pour l'augmenter, d'accord. Par contre, elle m'a dit quoi? Je crois un Boroboro et un Shiyu, je crois. Ouais, c'est ça. Autant qu'ils sont que deux, ça va. S'ils sont plus, ça va devenir compliqué. Inventaire, voilà. Quelle heure est-il? Bon, 14h40, ça va. Ah, ça fait à peine 50 minutes déjà. Le temps passe vite. Eh oui. On va aller là-bas. On a vu ici, là, en plein milieu, en D, là, c'est le Shiyu. Et il y a le Goroboro un peu plus loin. Enfin, un peu plus loin. Il n'est pas encore arrivé. Donc, je vais essayer d'aller attaquer les autres en attendant que l'autre arrive. Voilà. Voilà. Il arrive vers nous tranquillement, allez on y va. Ah non, c'est le Boroboro. Ça va si c'est lui. C'est les ailes qu'il faut attaquer. Les ailes ou la queue. C'est là où il est le plus vulnérable. Il est énervé. Alors quand il commence à se déplacer rapidement, c'est pas un bon signe.
l'impression qu'il y en a un autre qui est arrivé. Ah oui, je me disais bien. Bon, Zygote, il a été vaincu. Hop là. Bordel, bon. J'ai perdu un peu de vie bêtement. Elle commence à se dépasser rapidement. Quand c'est comme ça, vaut mieux pas l'attaquer. Attends, il est où, là? Une petite grenade incapacitante. Bon, on va éviter. Bordel, j'ai fait le con. Là, voilà, il était fatigué. Hop. Du coup, en fait, il va chercher de la bouffe. Enfin, de la bouffe. Il va se cacher un peu pour essayer de se régénérer. Bon, à mon avis, là, les carottes sont cuites pour lui. Ah, bordel! J'ai du mal à l'esquiver. Voilà. Donc là, l'autre est arrivé. Ah, il y a un queue d'ogre en plus. Bordel. Voilà. Venez par là. Bon, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Hein. C'est ses mains, j'ai du mal à voir ses mains. Ah, c'est ça, c'est bien ses mains. C'est bien ses mains qu'il faut attaquer. Ah, bordel, il va faire... là il est à l'intérieur, donc il va falloir faire tout le tour. C'est bien ses mains qu'il faut attaquer. C'est compliqué parce qu'il bouge bien. Il est très mobile et il fait beaucoup de dégâts.
Enfin, je commence un peu à comprendre, lui. Mais c'est compliqué, il faut le prendre tout seul. Ah, bordel. On a bien là, on a bien eu là. On l'a bien eu. J'ai pris un peu de coups, mais c'était un peu mieux qu'avant. Pour le coup, je crois que j'ai trouvé un peu son point faible, donc ça va. Ouf. Dites-moi hein, si vous entendez assez les cinématiques. Si vous les entendez pas, est-ce qu'au moins vous avez les sous-titres qui sont assez gros? Parce que avec la qualité, je sais pas trop. She tends to fall apart. Come back another day. She'll be better. Get away from me! No! I don't think she wants you to see her like that. She cares, even when she won't say so. Et c'est pour sortir des visiteurs sous surveillance, mais il n'y a toujours aucun signe d'intelligence, ça m'inquiète. Ok. Il me reste qu'une éliminée Vajra et deux Shiyu. J'espère que ce sera pas les trois en même temps, parce que sinon je vais dérouiller. Ok, ouais ça c'est vrai, de toute façon je peux pas mettre beaucoup trop haut, enfin je vais peut-être monter un tout petit peu. Qu'est-ce que dans le jeu je peux faire quelque chose dans le jeu à ce niveau-là, je suis pas sûr. Il y a tout au max, donc je peux pas trop gérer tout indépendamment quoi. Si au moins les sous-titres ça va. De toute façon le doublage anglais est juste médiocre. Hein. Il est juste médiocre le doublage anglais dans ce jeu là, donc c'est pas non plus une énorme perte. Mais bon. Putain, une petite averse dehors là. On rafraîchit un petit peu. Passons aux opérations, voilà. Oh oh, là le gros point en bas près du N, ça c'est le Vajra. Et les deux Shiyu. On va essayer de pas tous les prendre en même temps.
Oh, il est parti pas du Vajra. Venez, 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 venez. Non, non, c'est trop loin là. Venez par là. Venez par là, les amis. Il y a l'Uchiyu en plus qui est pas loin. Haha. Bon, je crois que c'est mort. Putain, il a la force. Qui... Mais bordel, il a une tête chercheuse ou quoi, lui? Par contre, le... du coup, c'est lequel que j'ai affaibli, là? Mais oh! Oh bordel. Oh mais... Je suis allé... Mais là, faut sortir de là parce que je vais pas durer longtemps celui-là. Ça va pas durer longtemps. Bordel. Il faut un endroit plus ouvert que sinon on n'y arrivera pas. Mais non mais... Ah, j'en ai marre. Mais c'est pas possible.
C'est une Edren. Mais non. Il me piste ou quoi? J'ai rien compris lui. Il est bien affaibli, j'ai l'impression lui. Il se fait des caméras là. S'il s'enfuit, c'est que c'est bon signe. Et ben ça va très très bien. Hormis que je suis en train de me faire exploser par un petit Vajra. Voilà. Se concentrer sur lui. Je crois lui c'est sa queue arrière. Lui. Oh my god. C'est compliqué. Non, et puis moi je joue. Moi je vais pile dans l'endroit où il se jette moi.
Ok, donc là on est, on va arriver dans l'une des dernières phases. Yes! Pouh! Un quart d'heure quasiment pour faire ça. Ouf. Mais mine de rien, je fais de mieux en mieux en fait. Je suis de mieux en mieux sur, sur ce titre. La première fois que j'ai fait Vage Rush, je crois bien que je l'ai enregistré. Je crois que j'ai dû mettre un quart d'heure tout seul. Enfin tout seul. Il était tout seul. En même temps, j'étais peut-être pas aussi bien équipé. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Nedren, mais ça va très très bien pour le coup. Je galérais un petit peu tout à l'heure, mais ça va. Bah tiens. Je fais toutes les missions de niveau 3. Ok. On va aller voir Alyssa du coup. Je sais pas trop où elle est, mais on va voir. Je crois que c'est ici. Voilà. En fait, Alyssa, c'est aussi une. Je sais plus comment ils appellent les porteurs de. Si, c'est les God Eaters. Les porteurs de Jinky, ce sont les armes en fait qu'ils possèdent. Elle a un petit côté. Elle est assez fragile, on va dire, mentalement, à cause d'expériences qu'elle a subies, mais aussi par rapport à la mort de ses parents. Du coup, elle est mentalement instable en fait. Du coup, le personnage que je joue, moi, mon avatar, qu'en fait on crée notre avatar au début de jeu, c'est le seul qui n'a pas de voix dans le jeu, c'est assez bizarre. Mais parce qu'il y a une espèce de complot qui visait à tuer justement l'un des God Eaters, l'un des plus imminents, celui qui a disparu que je parlais tout à l'heure. Et en fait, ils ont essayé de programmer Alyssa pour qu'elle le tue en fait. Sauf qu'au dernier moment, elle a pas pu. Mais elle l'a isolé et puis il était seul face à un espèce de Vajra qui était assez balèze. Du coup, on sait pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà. Ibudjurn, votre cible est un Kongu solitaire dans la vieille ville. Les zygotes et les vestalites sont aussi dans la zone, éliminez-les si vous le jugez nécessaire. Visez le visage, le torse et les jambes du Kongu avec des balles écrasantes pour plus d'efficacité. Non, mais avec des munitions écrasantes. Donc je suis en train de prendre le canon là. Voilà. Est-ce que je serais mieux de prendre ça? Mais elle est trop trop lente, j'aime pas trop. Du coup ça m'emmerde un petit peu. Allez, on va partir là-dessus. Merde, j'ai pas pris la mission.
orders have been changed. Your new objective is to eradicate all origami in the vicinity. Alyssa will not be joining you. Tests indicate she is on the mend. However, she requires time to heal before returning to active duty. On a final note, as of this morning, Captain Lindo's combat status has been altered. He is currently listed as missing in action, discharged. That will be all. Thank you. That's absurd! We haven't found his god arc! We haven't found his armlet! How could you say that? It is not my decision to make, Miss Tachibana. The brass confirmed. We are no longer receiving a beacon, nor biometrics from his armlet. We don't have time for a full-scale search. Not with new attacks coming every day from unrecognized origami. I'm sorry. I'm not wrong, am I? Isn't it insane that they're just giving up? I don't know anything about these new monsters. Why should... Why? I'm sorry. It's not your fault. There's just nothing to be done, and I think I'm gonna go for a walk. See if maybe I can clear my head. Don't worry. I'll be ready for the mission when you need me. Poor Sakuya. She's broken up about all this. Hey, look. You guys did a hell of a job out there. It hasn't been easy. Plus, with Alyssa going all crazy and catatonic like that, what the hell? I was thinking, since you're both the only new types, maybe you should stick by her side for a while, you know? I'm gonna go check on Sakuya, see if I can help at all. Hey man, you hear what they say about Lindo? He's MIA now. Yeah, it's a damn shame, but not a surprise. Another Soma Squad martyr. Dude, the hell? He can freaking hear you! Damn it all. Bah merci de t'être passé quand je parle et puis bah, à bientôt. Alors là j'ai quoi, c'est un Congo là. Ah, j'ai plus de balles, plus de munitions. Mais il m'a fait mal. Thank you.
Bon, on va se calmer un peu. Mission accomplished. Mais bien. Objectives complete. Let's go home. All objectives complete. Send the chopper. Go home, jump in the shower, and then sleep for days. At least we survived. At least we still breathe. There are no small missions, only small Aragami. Erreur provisionnement. Une nouvelle voie de ravitaillement en ressources devrait être construite dans le métro, mais un Congo et un Chiu ont interrompu les travaux. Concentrez vos attaques sur leur tête pour les éliminer. Ok. Je fais quoi avec les grenades là? Je les ai vont. J'ai fait quoi là? Oh non, j'en ai 20, d'accord. Se les faire pour le coup. C'est quoi cette prière? Merci Congo. Il va falloir se mettre sur sa tête en fait. Bah en fait, je suis pas tellement équipé pour bien viser sa tête là.
Mais non, mais... Et tranquillement là-bas, on devrait pouvoir se le faire, mais après il y a un chiou après. Mais là tellement j'ai pas forcément mis les pris les meilleures armes là pour faire ce type de ennemi. Je commence à bien cerner, à mieux cerner le Congo là. Ok, donc il va paraître vers le bas, j'imagine. Attendre d'ici. Il est arrivé par l'autre côté en fait. Ok. Par le point B. Je suis vraiment pas équipé là, je suis équipé avec du mortier et puis mon épée lourde là. Et c'est pas ce qu'il y avait de mieux hein, pour ce mob là. On a déjà bien faibli. Allez, on continue.
suis bien déboîté les choses. On m'a finalement vaincu. Allez hop. C'est pas grâce à moi. Hein. C'est pas grâce à moi cette fois. All objectives complete. Send the chopper. The chopper should be here any moment. I can't wait to get back home. Are you guys as wiped out as I am? I don't want to meet your expectations. I want to smash right through them. I can't accept it, Tsubaki. I won't. There's no reason to call off the search. You think I'm happy about this? The top brass refused to change their decision. It would make them look weak. His armlet is still missing. It's out there. He's out there. When a God Eater is missing in action, protocol is to keep searching. They hunt until his God Ark is found. Tell me I'm wrong, Tsubaki. It's been a week. No, over a week since he vanished. There's almost no chance he survived this long, even less if he was injured fighting those things. You know this. But we can't just let him go. Please, we can't! Les messages, on va lire les messages. Un yaksha est apparu dans la vieille ville. Deux queues d'ogre aussi étaient signalées dans la zone. Rendez-vous sur place et éliminez-les. Le yaksha est sensible au bruit. Alors faites attention si vous ne voulez pas qu'il vous détecte. Alors, je crois pas que j'ai rencontré encore des yaksha. On va aller voir ça. Non, pas encore. Pris la mission. Donc on va aller voir Alisha avant si je peux.
defenseless. How you must have cursed your powerlessness. Now overcome the anguish. Push past it into fury, and you can avenge them. All of them. There, vitalis, rise above it. Yes, potential. These are your enemies. The ones that hurt you, Alyssa. The Aragami exist only to hunt, only to kill. Aragami, only to kill. Yes, Alyssa. Only to kill. They will rip away from you, make you suffer. And this is the one you must make an end of. This is the Aragami that killed your father. Voilà, donc en fait, ils ont programmé Alyssa pour qu'elle tue Lindo. Mama. You're stronger now. Strong enough to fight, to kill on your own. It's easy, taking a life. Just aim your god arc and pull the trigger. Pull the trigger. This will keep you safe. Repeat these words as you pull that trigger, Alyssa. Yeden, va, three. Yeden, va, three. Yes, perfect. Remember them. Keep them close. They will keep you strong and safe. Yeden, va, three. Mais dans un moment, elle a pas pu le tuer. Et elle a tiré dans un mur, en fait, qui est fait que qui l'a isolé. Du coup, on sait pas trop ce qui est devenu de Lindo. What happened? I felt it. Like being inside your skin. Thoughts and emotions that weren't mine. Did it happen to you too? Did you see? I'd forgotten that day. I pushed it down so deep that even I couldn't find the memory. My papa and my mommy, we were playing hide and seek, and I thought I'd be clever. I went to hide in a nearby building. They kept calling, ready or not, here we come, ready or not. Then everything changed. In a moment, there were screams, voices, all shouting that an origami had broken through. I should have rushed out, showed them where I was, but I was scared. I was so frightened. Papa and Mama came to look for me. They ran out to find me in the buildings, but there was a horrible guttural sound. Then it lashed out. It didn't even pause, just took them. Ils auraient pu lui mettre une voix quand même. I would have run, and we could have run. We should have run. I did it. I let them die. I was told I might become a god eater, that I might be one of the new types. I was so happy and so furious. In that moment, I thought I could get revenge. I could kill that wretched monster. I could avenge my parents, even a little bit. It won't bring them back, but I'm sorry. I don't know what's happening. Before, the way you're holding it, you did the same thing the other day, didn't you? I'm sure of it. I could feel the warmth flowing into me, memories I didn't have, just like before, memories of happiness. Prochaine mission. Un Bor Kamlan. Avant que le sable des déclins de métro, cette espèce de scorpion géant craint le gel et l'éclair et les conseils d'éviter les Vestalites déchus.
Bon, ça devrait être bien avec ce que j'ai là. Today's briefing. I want you suited up and ready to deploy as soon as possible. Dismissed. And Sakuya, thank you for staying. I wanted to speak with you. What can I do? Take some time off. This is not a request. I order you to do so. The others can handle this. What? No, Tsubaki, I'm fine. Perhaps you haven't seen yourself lately. Everyone can tell something's off. Look, it's... I know you haven't been sleeping. I am proud and touched that you care so deeply for my little brother. But I have to be your superior officer. In your current state, you could get someone killed, maybe even yourself. Take some rest. It's an order. Of course, ma'am. Thank you. And one final word. When you do return, you must put your trust in others. You have to let them shoulder some of the burden. You're right. I am sorry. I'll try. I promise. The unit is now in position and ready to commence combat operations. You guys ready? I know I am. Let's get into the rough and tumble. L'autre, du coup, il repasse par l'autre côté, quoi. Ok, allez. Ah, par contre, j'ai pas changé mon fusil, bordel. J'ai pas pensé. J'ai toujours le gros canon, là. Normal. Et ça, ça en fiche pas de dégâts. J'ai l'impression qu'il a l'air de se déplacer assez rapidement en plus. Ah là, c'est une espèce de scorpion géant, effectivement. C'est sa queue qu'il faut faire attention avec lui. Ok, donc c'est sa queue qui est son point faible. Bordel!
Bordel, bordel. Non, mais c'est quand je lance quand j'arrête mon clip qu'il m'attaque. Mais non. Sa tête aussi. D'accord, donc il a plus le bouclier là. Je vais attaquer sa queue, moi. GG. GG à moi. Well, that's it. Yeah. It's over. It's finally over. Ah, pic de chevalier. Je vais pouvoir faire mon pour améliorer mon épée. Cool. Donc c'est contre ce monstre là le pic de bouclier, ça c'est le pic de chevalier. Par contre, je sais plus s'il m'en fallait un ou quatre. J'ai un doute là. That's gonna be a problem. Vous avez appris un nouveau style de prédateur, vous pouvez maintenant les personnaliser. Nouveau style de dragon, assimilation de zone, charge. Rapide combo, pas en arrière après assimilation. Assimilation pendant glissade en aérien, d'accord.
times. At least pretend to knock before you barge in. Oh yeah, totally my bad. Oh, whatever. You're just here after my beer ration, aren't you? Drink down all your own already? Maybe I did, maybe I didn't. It's not like you ever finish yours anyway. How about a trade? I got some giant corn on the cob. Huh? Not a chance. What the? Why don't you save some of that beer for me next time? Qu'est-ce qu'il fait? Lindo's armlet. Did he plan this somehow? No. That day was already unnatural. Too many things were mixed up. The two teams, commands must have been overridden. Alyssa was acting weird even before. Not a single record. It's like that mission didn't even happen. Lindo, what are you trying to tell me? What's happening? Oh, it's you. Sorry, you can be so quiet. What's up? Ah, I think I understand now. Poor Alyssa. Thanks for telling me. I really do appreciate it. I wonder if that's a new type power, for you to communicate through such a simple touch. It's incredible, but still a little odd. Please stay with her. She could use your support right now, would you? Ok. Vous avez obtenu l'autorisation de changer votre style de prédateur et d'utiliser les unités de contrôle. Coup puissant balle, résiste brasier, résiste gel, résiste éclair, résiste machin. Allez dans le menu équipement du terminal pour valider cette autorisation. Permissivement votre Kaoru Shinozuka. Voilà, ok. Tatsumi Omori. Non. Ok, donc ouais, de nouveaux styles. C'est ici que vous pouvez modifier votre style de prédateur et l'unité de contrôle attachée. Vous pouvez attribuer un style de prédateur à vos différentes assimilations chargées, rapides, combo et pas et aériennes. Vous pouvez attacher une unité de contrôle à un style de prédateur pour gagner temporairement une compétence après une assimilation. Il réussit toutefois, le rang de l'unité de contrôle ne peut pas dépasser la limite de rang du style du prédateur. De plus, les effets identiques des unités de contrôle ne s'additionnent pas. Bon, c'est un petit peu abstrait ce que je viens de lire là. Ok, donc en fait, je peux choisir un. Donc, ouais, il y a 5 types en fait. Ah d'accord, donc ça c'est l'assimilation, c'est lorsque j'utilise l'assimilation, d'accord. D'accord, et je peux rajouter un effet qui va améliorer le truc, d'accord. Là je viens de comprendre. Que je fais un combo rue avant assignation contact, voilà. Lorsque je suis en arrière. Ok.
Ok, on va rester comme ça pour le moment, on va pas trop toucher. Par contre, améliorer arme de mêlée, c'est celle-ci, je crois, l'espadon. Non, c'était pas celle-ci, c'était. Je sais plus. Voilà, lame glaciale, je. Non. Merde, je sais plus. Ah, je sais plus. J'ai un doute. J'ai un gros, gros doute. Ah, je sais plus. Bon, moi, je vais garder mes ressources pour le moment. Tu peux trouver une mission de suppression, ta cible est un Aragami rare, un Quadriga. Envoyer un escadron ne connaît de ce géant que sa vulnérabilité au gel. Attention au petit Aragami qui l'accompagne. Est-ce que je vais prendre... Non, je ne vais pas encore prendre sa couille. Ok. Non, ce sera... Non. C'est un healer, donc ça va être canon qui peut soigner. Voilà. Tout ça, j'en ai déjà assez. Je vais juste faire le, on va juste faire le plein dans l'inventaire. Miss Tachibana, hello. Thank you for coming to see me. What brings you here, if you don't mind? Hello, Alyssa. Don't worry, I'm not here to pass blame. I'm not angry. Then why? I need to hear about what happened. Straight from you. I want you to tell me everything that you remember about that day. That moment. I know it's difficult, and to be honest, I can't accept what happened, but still, I can't doubt you. This is the only way to clear my mind. I heard about your past. This is not an easy thing I'm asking of you. Try, please, for me. I've been treated for years, still being treated for this problem. Did you know about that? Yes, I did know. When my parents... Something inside me just snapped. I was hospitalized for years. For a long time, I only saw the world through a window. When Fenrir told me I could be a new type God-Eater... Well, Fenrir doesn't ask, they demand. I was transferred immediately, and forcibly, from my own hospital into a Fenrir-controlled facility. Poor thing. No, don't pity me. The doctors were nice, and secretly, I guess I was glad. Glad that I might have a chance to fight back, and then... They put me on meds that curbed my memories, buried that part of my past. I spent days learning strategy, tactics, learning how to fight. And the Fenrir doctor assigned to me was kind, even when he didn't have to be. He opted to leave his post and come here to keep helping. You're telling me that your old doctor serves here now? At the den? Yes, of course. I'm sure you've all met him. Dr. Oguruma. He's very nice. Ah, I'm sorry. Please, go on, Alyssa. I was treated for my mental problems. Trained day in and day out. And the doctor found images of the en fait, là, le truc que je suis en train de me rendre compte là quand même, c'est que... Le... Que ce soit la série animée, en fait, la série animée... La première saison, enfin, il n'y a qu'une saison de 13 épisodes, ou 12 épisodes, je ne sais plus exactement. Ça décrit ce qui se passe à peu près dans ce jeu-là, justement, dans ce premier épisode. Sauf que tout ne se passe pas exactement de la même façon. Il y a pas mal de choses qui divergent, en fait.
thing that took away my family. And as I felt it in my heart. Et dans tout le côté avec Alyssa dans la série, ça se passe pas du tout comme ça. C'est vrai aussi que dans la série, ils t'ont mis un héros principal en fait. Alors que t'en as pas dans. Enfin, t'en as un dans le jeu, mais c'est un héros que tu crées de toutes pièces. Dans la série, ils t'en ont créé un en fait. Du coup, il y a là aussi que ça diverge. Viens, saute. This is where we stand. Portail de l'autre côté complètement. Ah, ok. J'ai plus d'endurance là. Comme par hasard, c'est fini au moment où j'ai de l'endurance. Dire, c'est pas ça, c'est pas ses pattes avant, ni ses pattes arrière. Ah, complètement, carrément quoi. On va changer de balle. Est-ce que c'est les balles apparemment? Hop. De gel contre lui. À mon avis, on va mettre un petit peu de temps à le buter. Bon, sur son visage, mais bon, ça va pas être une temps d'attaquer au visage. Bon, ça fait mal ça.
Vas-y, continue. J'ai eu chaud là. J'ai eu chaud. Putain, je l'ai pas vu sans... je l'ai pas vu venir celle-ci. J'ai pas dû essayer de lui faire cette chose. Ça sent la fin du combat. Là. Minutes à peu près. Ouais, donc c'était sympa comme combat ça. Voilà, fallait simplement trouver son point faible qui était sa tête. Bon, c'était pas hyper compliqué à trouver étant donné qu'il est complètement blindé, hormis sa tête. Donc et voilà. En 6 minutes même. As of today, I've been reinstated. I promise I won't ever let something like that happen again. Great. When are you going to come back to the field? Well, that is still to be decided, I think. Oh, cool. I know you feel the same way. Mock me. I'm ready to take it. Alyssa, we're not gonna make fun of you. Hey, don't even listen to that crap. They're just stupid. Oh, we actually got some news about the origami that attacked Lindo. Seems like they caught sight of one in the Western Europe branch, too. We've been seeing these weird origami pop up all over the place. Like there's a storm brewing. Really excited comme ça. I'm gonna bail before I screw anything else up. Actually, I'd hoped to speak with you privately, so I was hoping, maybe, if you have time, maybe, could you teach me again? I want to learn to fight the way I should have. I want nothing like this to ever happen again, and now I can finally protect the people I care about. Ah, dans la série, elle est pas aussi conciliante, hein, dans la série animée. Hein. C'est une vraie peste, si j'ose dire. Bordel, encore pas mal de missions. Il y a un Yaksha, deux queues d'ogre déchus, deux vestiges d'un zygote, un quadriga. C'est une recherche à détecter un effet composé de 2-3. Oh putain, ça va, ces missions-là sont pas très compliquées. Du coup, je vais me les garder de côté pour la prochaine session. Là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce petit live. Je me suis posé la question si j'allais pas enchaîner sur un autre jeu, donc je sais pas, on va pas, je vais pas me relancer directement sur un autre jeu, que j'aurais bien fait du Red Gigant ou avancer Tales of Vesperia, mais je pense que je ferai ça ce soir au calme, donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite session de God Eater Resurrection, donc voilà, donc en tout cas merci de parier à toi d'être passé Nedren, et puis on se retrouve probablement demain soir pour une nouvelle session ou dans la semaine, voilà.
Allez, bonne soirée à tous. Enfin, bonne soirée, bonne fin de week-end à tous et à bientôt.